Youri Djorkaeff, one of the best French players of all time, FIFA World Cup winner 1998, he will join us here today. A former national player who is a wonderful ambassador for one of the next host countries of the FIFA Women's World Cup, Kirsty Yellop from New Zealand. And one of Youri Djorkaeff's teammates, Patrick Vieira, also a FIFA World Cup winner. So that's our lineup for today, and we are delighted to welcome you to another exciting episode in our Living Football series, brought to you from the home of FIFA here in Zurich, Switzerland. Our first guest is not only world famous, he became world champion on home soil with the Equipe Tricolore in 1998. He played for Paris Saint-Germain in his homeland, in England, in Germany, in the United States, and is now putting his career at the service of the global football community. As CEO of the FIFA Foundation, we are delighted he is here with us today. Youri Djorkaeff. Bonjour. Merci beaucoup. It's a great pleasure to have you here on our Living Football sofa today. Yes. On joue à la maison aujourd'hui. Merci Jessica de m'accueillir. Très content d'être ici. As CEO of the FIFA Foundation, what are you more concerned about these days? Football or problems in society? Je serais plus tourné vers comment utiliser le football pour régler certains problèmes de la société. Aujourd'hui, le football est devenu tellement important et a tellement une attente des gens à travers le football. On voit bien, les matchs sont regardés, les événements sont regardés. Et notre travail à la Fondation, c'est comment utiliser le pouvoir du football, comment utiliser l'attrait du football pour après éduquer des communautés, aller voir des gens qui n'ont pas accès à certaines choses. Donc on fait une balance entre les deux et on veut être la juste balance. From your own experience, how did the title in 1998 and the FIFA World Cup on home soil changed France and its society? Oui, c'est vrai. On a, pour la première fois, la France a gagné une grande compétition. En France, on a été éduqués dans le sport à l'école pour participer. Coubertin, qui a créé les Jeux Olympiques, était le plus important, c'est de participer. Et dans la société moderne, aujourd'hui, le plus important, c'est de participer, mais aussi de gagner. Et donc on a été la première génération vraiment où on s'est accaparé cette envie de victoire. Et derrière, on a eu la chance de jouer à la maison, on a eu la chance d'avoir un groupe extraordinaire, on a eu la chance d'avoir un staff, un entraîneur extraordinaire. Et derrière, toute la France s'est retrouvée dans France 98, aussi bien dans les joueurs, dans les individus. Le Sénégalais, des origines arméniennes, l'Algérien. Il y avait tout un mix qui représente aussi la France, mais qui était aussi d'abord et premièrement l'équipe de France. I think it was also a role model for whole Europe at that point. So you have always been a very strong team player. We all know that. But what can we learn from football in this respect? Déjà, on jouer avec des grands joueurs, c'est toujours plus facile. Parce qu'ils comprennent tout de suite le jeu. Vous savez, la chose la plus difficile au football, c'est de jouer à une touche de balle. Les gens qui dribblent, c'est bien, c'est super. Qui touchent plein de fois le ballon, c'est super. Mais il y a très peu de joueurs qui savent jouer à une touche de balle. Donc moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Et dès qu'on jouait avec eux, le football devenait simple. Et la deuxième chose qui est importante, tous les grands joueurs que je connaisse sont tous, même si des fois c'est difficile, on vit dans une bulle parce que les gens veulent nous toucher, veulent nous avoir, veulent nous parler. Tous ces grands joueurs, tous ceux que je connaisse, sont tournés vers les autres. Ils pensent à la société. Ils ne sont pas juste dans leur monde et ils pensent qu'au football. Non, ils sont accaparés par leur monde, mais ils ont tous une pensée comment aider l'autre. Et je crois que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça devient nos meilleurs ambassadeurs. Demain, quand Ronaldo s'arrêtera ou quand Messi s'arrêtera, ce deviendra les meilleurs ambassadeurs pour la Fondation, c'est sûr.
And I think that's an important message for the society, and they are really important role models. But before we speak about the FIFA Foundation, let's see where great team spirit can lead to. Here are some highlights of your greatest success winning the FIFA World Cup in 1998. Great memories. But before we speak about the final, let's go to the first match in the tournament. What did surprise you at that point? Because I think, especially from the crowd, you expected something else. Oui, parce que depuis 96, on a joué la demi-finale au championnat d'Europe en 96. Et depuis 96, on avait un nouvel entraîneur, Aimé Jacquet. Et c'est vrai que l'équipe se construisait pour 98. L'objectif de l'entraîneur était vraiment de participer à la Coupe du Monde, mais de la gagner. Ça ne nous l'a pas dit tout de suite. Il nous a dit, voilà, on va bien se préparer. Et c'est sûr qu'on a fait une campagne de 96 à 98 où on n'a pas très, très bien joué, mais on gagnait tous les matchs. D'accord ? Et l'équipe s'est construite un petit peu dans la douleur parce que la presse critiquait l'équipe de France. Et les supporters n'aimaient pas le jeu qu'on faisait. On faisait un jeu très défensif. Et ce qui s'est passé, c'est que la Coupe du Monde est montée en puissance. Et on a fait ce premier match à Marseille où on ne savait pas trop où on allait. On était un peu dans l'inconnu. Pour la plupart, c'est la première Coupe du Monde. Et là, on a une vague qui nous a porté. Le public français et le public à Marseille a été incroyable. Et d'un coup, on est rentré sur le terrain et on a vu tous ces gens qui nous aimaient. Et tous ces gens qui étaient pour nous, tous ces gens peints en bleu, blanc, rouge. Et là, ça nous a libérés. Et on a le premier but de Christophe Tigari a été vraiment le détonateur pour cette Coupe du Monde et surtout pour nous dire ok, maintenant on est à la maison, on est chez nous et pour nous battre ça va être très difficile. And you felt the spirit of the whole country. Yeah. In the second match, you came from the bench. And in the third match, you immediately took responsibility and you opened the scoring with a penalty. Can you remember that scene? And was it always clearly in your mind that you would take the ball? Oui, parce que c'était... en équipe de France, je tirais les penalties. Donc c'était sûr que j'allais tirer les penalties. J'avais la chance de jouer à la maison, Lyon. C'est ma city, Lyon. J'avais toute ma famille qui était là. Et je me souviens, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai pris le ballon, c'était Colina, l'arbitre. Colina était l'arbitre. Je me souviens comme si c'était hier. Il siffle penalty. Je suis à Lyon, tout le monde, j'entends les supporters. Yuri, ça. Je pose le ballon, je regarde. Wow, Schmeichel. Il est grand, il est huge. And he started a discussion He started discussion with me. Il a commencé à discuter avec moi. Et il y a Peter Schmeichel, que j'avais joué contre lui à Manchester United. Il est grand, il est immense. Immense. Ça va très vite dans la tête. Et j'étais en train de réfléchir. Je tire à droite ou à gauche? Je tire à droite, je tire à gauche. Et je ne savais toujours pas. Et le midi, avant le déjeuner avec l'équipe de France, à la télé, il y avait un reportage et il y avait des images de mon père. Parce que mon père était capitaine de l'équipe de France. Mon papa était capitaine de l'équipe de France. Et il y avait des images de lui. Et à un moment donné, un des seuls buts qu'il a marqué, c'est sur penalty et il tire de ce côté-là. I got a flash, j'ai eu un flash, j'ai dit... C'était un signe, je vais tirer de ce côté-là. J'ai tiré de ce côté-là, Peter a touché le ballon. J'ai marqué. Mais c'était marrant parce que j'hésitais et d'un coup, je me suis souvenu des images de mon père de 6 heures avant le penalty et j'ai tiré de ce côté-là. And in this particular game against Denmark, someone played alongside you who also became a big football star. 4-time Italian champion, 3-time English champion. He was part of the Invincibles at Arsenal FC. And most recently, he coached OGC
Nice, and we are very happy he's joining us now via video. Patrick Vieira. Bonjour, bonjour à vous. There we go. Salut Patrick. Bonjour. Ça va mon ami? Et toi? Ça quel va? Quel plaisir de te voir. Oh. Ouais. Hein? Oh, t'es bien là. Hein? T'es waouh. Là, je suis très bien. Ça se voit. Je suis content que Patrick soit ici avec nous. Non seulement c'est un grand joueur et ça va devenir un grand entraîneur, mais c'est surtout un très très bon ami. Et à chaque fois que j'ai fait des opérations avec ma fondation, avant d'être un CEO de la fondation de la FIFA, j'ai fait des opérations à New York ou dans d'autres villes. Il a toujours répondu présent, il est toujours venu me voir et participer à donner du plaisir aux enfants. Voilà. C'est un grand monsieur par la taille, mais aussi par le cœur. Ça fait très plaisir, Yuri. C'est des mots qui me touchent vraiment. Patrick, when you joined the national team, Yuri was a little bit older than you. So was it more a father figure or more the big brother type of guy? Au sein de l'équipe, c'était plus un grand frère. C'était un exemple. Je pense que ma génération à moi, comme Thierry, David, Robert, on était les jeunes de l'équipe de France. Et une autre réussite, on la doit aussi à cette génération de Yuri, les plus âgés, parce qu'ils ont su gérer leur carrière. Et s'ils ont été vraiment des grands joueurs, c'était vraiment des exemples positifs pour nous. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle a vraiment été importante parce qu'on vivait avec eux tous les jours. On les voyait faire, on les voyait s'entraîner, on les voyait prendre soin de leur corps. Et je pense que si nous, on a réussi de notre côté, c'est parce qu'on a eu des exemples positifs. I mean, you had a great team at that time, no doubt about it. All the big names from Zidane, Petit, Blanc, Trezeguet. You could mention them all, but perhaps, and I don't know your opinion about it, Patrick, maybe perhaps the most important action or one of the most important actions came from Yuri, the artistic assist for the 1-1 against Croatia in the semi-final. Croatia was in the lead, Davor Šuker, you remember, but only 60 seconds later, what a terrific goal. Do you remember that scene, Patrick? C'est un but magnifique, mais quand on voit le ballon de Yuri, je pense que c'est ce qui le caractérise aussi. Exactly. C'est la vision du jeu, c'est la qualité technique. Et le ballon qu'il donne à Lilian, c'est aller cadeau quoi, à une touche et Lilian il la met au fond. Mais je pense que c'est l'action à faire voir au centre de formation par rapport aux joueurs qui sont ces numéro 10 ou ces faux numéro 9. Parce que sur ce but-là, il y a tout eu quoi. Dis-moi Patrick, qu'est-ce qu'il foutait là, Lilian? Qu'est-ce qu'il foutait là? Il était au bon endroit au bon moment. Tu te rends compte, oh, il a marqué deux buts en demi-finale. Oh. Et le deuxième, pied gauche. Extraordinaire. Lilian n'a jamais marqué de but en équipe de France. Jamais. Je crois qu'il a même jamais tiré au but en équipe de France. Mais ce match-là, il a marqué deux buts. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fin de compte, il ne pouvait rien nous arriver à cette Coupe du Monde. Mais ce qui a été important, si je peux me permettre, c'est vrai que Patrick, pour en revenir, il explique le rôle qu'on avait, nous, les anciens, dans l'équipe de France. Mais cette jeunesse-là, les Patrick, les Thierry, les David, les Robert, ils ont, pendant toute la compétition, ils ont été avec nous, ils nous ont challengés, ils nous ont poussés. Et c'était une force incroyable parce que il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas les anciens d'un côté, les jeunes ou ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Je crois que la force de l'équipe de France, ça a été l'adaptation de ces jeunes joueurs dans un groupe qui était déjà formé, mais aussi la compréhension des anciens pour que ces jeunes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent, moi ce que je veux, c'est qu'il ait sa force et sa fougue de 20 ans, 22 ans, pas qu'il joue comme un gars de 30 ans. Quand Henri rentre, il faut qu'il tente des choses. Et c'était ça la force de l'équipe de France, c'était cette juste balance, comme je dis, de l'entraîneur qui donnait les responsabilités à des jeunes joueurs aussi. Et nous, on comprenait parce qu'ils avaient les capacités. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, parce qu'ils avaient les capacités. C'est-à-dire, en finale de la Coupe du Monde, Patrick, il est là, il rentre. Voilà, je crois que c'est... And
And Patrick, you were substituted for Yuri in the final. Can you tell us something about this special moment for your career? Oui, c'est un grand moment pour moi sur le plan personnel, mais c'est vrai que ce moment-là, il est arrivé très vite parce que c'est Marcel, je crois, qui prend le rouge et j'ai même pas le temps de me poser la question à savoir pression pas pression. Pour moi, c'était important, c'était de rentrer sur le terrain, d'aider l'équipe, d'apporter de l'énergie, de l'enthousiasme et ça c'était important pour moi. Après, c'est vrai que je rentre à la place de Yuri qui faisait un match extraordinaire. Mais après, c'est vrai que l'entraîneur voulait faire rentrer un joueur avec un peu plus l'aspect défensif. And now you already told us about his coaching qualities. I mean, he started as a youth coach at Manchester City. He went to the US, New York, then he took over OGC Nice in France. So what can you tell us about these specific qualities that he brings into the game? Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai vu commencer à coach à un certain niveau parce qu'il était à New York quand j'habitais encore à New York. Il avait pris l'équipe de New York, mais avant il était aussi à City, s'occupait des jeunes. Et je pense que ce qui a été sa force à Patrick, c'est que quand il a arrêté sa carrière, il est resté dans le monde du football, il a regardé, il a observé les choses. Et je trouve que le travail qu'il a fait à Nice, parce que Nice n'était pas facile, parce qu'il est surtout la première année, il a récupéré un groupe où il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Il a donné du caractère à cette équipe-là, une manière de jouer importante et surtout une projection vers l'avant. Nice, après, est devenu une référence avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ils ont eu des bons résultats et je crois que voilà, c'est pas évident pour un jeune joueur de bien commencer. Patrick a bien commencé. On a vu que c'est pas tout le monde, ça peut arriver à beaucoup de grands joueurs de mal commencer. Mais Patrick a bien commencé et surtout, on sent qu'il a une stratégie. Voilà. Et je pense que son prochain club va être très important pour lui. Mais je ne me fais pas de soucis parce que je sais qu'à l'intérieur de lui, c'est un grand entraîneur. No, we are not worried. Patrick, what are your next career steps? Je suis encore beaucoup moins inquiet quand j'entends Yuri parler de moi. Non, mais c'est vrai que quand à la fin de ma carrière, je me suis décidé de me lancer dans ce métier, c'était vraiment pour durer et pour aller vraiment au très haut niveau. C'est pour ça que j'ai franchi les étapes. J'ai été entraîné la deuxième équipe de Manchester City. Je suis passé par New York pendant une certaine période, l'OGC Nice. Et aujourd'hui, je suis encore sûr de ma force en tant qu'entraîneur. Je suis, après avoir digéré cette expérience niçoise, je suis prêt à repartir. Et là, j'attends le bon projet pour pouvoir me relancer parce que je suis fait pour ça. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai envie de toucher le très haut niveau en tant qu'entraîneur. I think Patrick Vieira, we are not worried. You're going to come back, so we are very excited. Which will be the next club? Ladies and gentlemen, merci beaucoup, Patrick Vieira. Merci, merci copain. Merci à vous. Je vous embrasse. À bientôt. Yuri, I would like to go back to this moment on the 3rd of July, 1998. We have already spoken about your father. Mm. What did he say when you won the FIFA World Cup 1998? Il m'a dit des choses. En fin de compte, il y avait plus de l'émotion que des mots. C'est parce que c'est difficile, tu sais. Tu as le trophée, tu fais le tour, tu fais voir le truc aux fans, tu restes sur la pelouse. Et puis après, je me souviens parce que je suis rentré dans le vestiaire et il y avait toute ma famille qui était là, juste dans le vestiaire, juste à côté. Ouais. Ils avaient laissé rentrer mon père, ma mère. Mes enfants, tout ça, tout le monde était là et c'était assez agréable parce que mon père, il a embrassé la coupe, il a touché la coupe. Et je pense que on en a discuté après, mais il y avait une grande fierté, aussi une grande humilité. Vous savez, les parents de mon père sont venus, euh,
sont venus de très loin. Du côté de ma mère, c'est pareil. Il y a eu de l'immigration, il y a eu des... Il y a eu, d'un côté, il y a eu les génocides, de l'autre côté, il y a eu la retraite de l'armée russe. Donc, c'est pour ça qu'il est parti en France. Et en trois générations, mon père était capitaine de l'équipe de France. En deux générations, mon père est né en France, et moi aussi, je suis né en France. Mon père était capitaine de l'équipe de France. Et moi, derrière, je gagne la Coupe du Monde. Donc, quand on repense aux grands-parents, mes grands-parents, que moi, j'ai connus et que je passais du temps avec eux, comment ils nous ont appris des valeurs fortes et surtout à aller au bout de soi-même. Et je pense que l'achievement ou aller au bout de soi-même, c'est pas que moi, c'est le travail des grands-parents, le travail de mon père, le travail de mes frères, le travail de ma famille qui m'ont porté aussi à être champion du monde. Donc c'est pour ça que j'étais heureux quand j'ai gagné la coupe d'être entouré de ces gens-là, de ma famille. La coupe, elle est chez moi, mais c'est pas quelque chose que je prends tout seul et j'embrasse. Si, une fois au musée, j'ai été au musée de la FIFA, j'ai la chance de pouvoir. Des you fois, are allowed to touch it. Not everyone is allowed to sais. Touch it. Only FIFA World Cup winners are allowed to touch it. Again. Mais je pense que la Coupe du Monde, c'est vraiment un symbole fort parce que ça représente un pays, ça représente une nation, plus qu'un pays, une nation. Ça représente des valeurs, ça représente une famille. C'est pas 22 joueurs ou 23 joueurs, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que. Quand on l'a fait pour la France, on l'a fait pour la France. Et c'était ça la grande satisfaction. C'est la grande satisfaction de la Coupe du Monde. Tu le fais pour tes gens à toi. So now you decided to give back to football, to give your career, to dedicate your career to help people with the power of football. We have also some pictures here. You're traveling the world. For the FIFA Foundation. What are your goals with the FIFA Foundation? C'est une chance. C'est une chance que m'a proposé le président, Gianni Infantino. On en a discuté avant de prendre cette responsabilité, parce que c'est une vraie responsabilité. Et on a beaucoup discuté avec le président et on a la même vision, comment le football peut aider le monde, comment le football doit être un moteur, justement, un ambassadeur, un leadership sur plein de sujets qui, a priori, sont plus de société que de sport, mais où le sport est devenu tellement important qu'il faut que le football ait cette place-là, il faut qu'elle la reconnaisse. Et le président m'a donné carte blanche pour justement amener la fondation sur des sujets importants, des sujets de société, ou aussi des sujets où on peut avoir un impact. Voilà. Et je crois que c'est un grand challenge. C'est quelque chose où je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais qu'on a un outil incroyable à la FIFA. Il y a une position, une philosophie aussi forte à la FIFA. Et il y a une direction aujourd'hui qui est claire. Et la fondation a aussi cette direction-là. Speaking about the FIFA Foundation, you decided to honor Marcus Rashford. Yes. With the first FIFA Foundation Award. He is a remarkable young player and a remarkable young adult, isn't he? Super. C'est ce que je dirais, c'est ce qu'on attend aujourd'hui des champions. Aujourd'hui, un champion de football, c'est plus qu'un joueur. Rashford, aujourd'hui, est justement... Ce que Mbappé aussi, il a créé sa fondation, sont l'avenir de la société, pas que du football. C'est ces gens-là, ces joueurs-là qui vont arriver à faire en sorte que la société change aussi. Et ce qu'a fait Marcus, on est très heureux à la fondation d'avoir... Ça fait un moment qu'on le suit, ça fait un moment qu'on regarde et ses performances, mais aussi son attitude et son activité et comment il est capable aussi... d'avoir des convictions. Il faut avoir des convictions, il faut avoir du caractère. Et on était très honorés pour avoir la première fois où au Best, il a reçu son award, que ce soit Marcus, parce que justement, ça donne le tempo sans les autres. So we need more role models like him. The next topic in our Living Football series will be the FIFA Women's World Cup 2023. Mm-hmm. So let's take a little look back. So the last big tournament in France was the FIFA Women's World Cup in 2019. So how did
This tournament helped to develop women's football further. I think it was kind of a milestone, wasn't it? Ouais. C'était incroyable parce que après la Coupe du Monde en France, la population s'est rendue compte que la moitié de la population était des femmes et que cette population-là aimait le football. C'est fou comme un événement comme la FIFA World Cup a changé la vision et la mentalité du monde sur le sport, du monde sur le football en particulier. C'était une Coupe du Monde réussie, il y a eu des grands moments d'émotion, il y a eu ce que les gens avaient peur au départ, c'est qu'il y a eu aussi une vraie connexion avec le public. Le public français est venu au stade, c'était une fête comme on aime les voir, et c'était une grande réussite, aussi bien pour la France, aussi bien pour la FIFA d'avoir organisé ce tournoi, mais surtout, je pense, pour le football féminin. Derrière, il y a eu des belles histoires et puis ça fait que commencer. Aujourd'hui, la prochaine Coupe du Monde est en Australie, Nouvelle-Zélande et ça va être incroyable. On a hâte d'y être. Youri Djorka, FIFA World Cup winner 1998. Merci beaucoup. From France to the next host countries of the FIFA Women's World Cup, Australia and New Zealand. The FIFA Women's World Cup 2023 will be the first edition to feature 32 teams. And FIFA has recently announced the 9 host cities and 10 venues. The tournament will start in Auckland, whereas the final takes place in Sydney. And now we are delighted to talk to one of New Zealand's biggest players of all time. With over 100 appearances for her national team, she played 3 Olympic Games and 2 FIFA World Cups. Kirsty Yallop. Kirsty, thanks for joining us. The FIFA Women's World Cup 2023 will be the first ever co-hosted by your home country, New Zealand, and by Australia. So we know it's still 2 years away, but are you feeling already some, let's say, joyful anticipation? I'm so excited. I just think it's a once in a lifetime occurrence, you know, like if only I was still playing, it would be super amazing. But I mean, for all the girls and players involved, it's going to be great. And for the public, it's just going to be awesome for them to get to see, you know, the world game in all its glory on our home soil. So yeah, it'll be great. What do you think? How has the profile of football in New Zealand grown since you started playing the game? Wow, I think it's grown a lot since I started playing. When I was little, I was the only girl in an all boys team and in the whole league. So yeah, I didn't really play with many girls when I was little. Nowadays in New Zealand, there's teams that are full of girls, all girl teams. Everything, it's totally changed since I was a kid. And you have significant experience playing club football in Australia. What are the similarities and maybe the differences in your 2 footballing cultures? I think the similarities are that we're both very competitive and, you know, we have that across the ditch rivalry going. So, yeah, that's how we're pretty similar. The differences are, you know, New Zealand's a really small country. I think we're maybe less than a quarter of the population that Australia has. So naturally, Australia has a much bigger player pool and a lot more funding than we have. And what you've
married a football player from Australia, Tamika. You have a child together. What are your ambitions now in women's football? Yeah, well, I guess they're slightly different because I'm now retired, and yeah, and I'm playing mum, so I'm raising our little girl, and Tamika still has her dreams and that she wants to achieve in football, so she'll be focusing on that 2023 World Cup, and we will be there supporting her as well as, you know, my old teammates for New Zealand, of course. So yeah, I mean, it'll be awesome, and it's so cool to get to see her flourish on the international stage and yeah, and play in a World Cup on her in her own country and in my own country. So I just can't wait. So it's going to be kind of family affairs. Yeah, it's going to be a big family affair. Kirsty, thank you very much for being with us, and all the best for you. Greetings to New Zealand. Yeah, no worries. Thank you so much. Thank you. See ya. While everyone is looking forward to the FIFA Women's World Cup in Australia and New Zealand, one of FIFA's main objectives remains to make football truly global. And this can only be achieved by improving the conditions for everyone. A very good example how to take actions in making football truly global are the Virgin Islands, where they dream big of the FIFA World Cup 2022 in Qatar. The second major event that we've had since the building of this field, and it's tremendous what it means to the young people in the Virgin Islands, being able to see top-class athletes perform right here in the Virgin Islands, encouraging us not only to do sports but to remain healthy and get involved in team activities, which ultimately build better human beings. FIFA Forward has done a lot for us, from giving us the ability to long-term plan. You know, prior in the past, due to the funding, there was so much we can do. It's been pretty good so far. It's been tough, obviously, with COVID, with everything going on. But they've been able to make some renovations around the stadium. We have the scoreboard. They have the new shower set up in the bathroom. And the facility itself, every time we get back here, there's always something new. They're adding the VIP section for the fans now. So it's always something new being built as we go. So I'm anxious to see what it will look like at the end. But for now, things are progressing well. I love the surface, the turf. We have a facility where we can come in and train. Whether it's day, night, it doesn't matter. We have the lights, we have everything here. Playing on it doesn't put a lot of strain on the field. So we have under 15s, we have under 17s, under 20 training. We also have our female program going now. So if you had a facility that you have to worry about the playing every day, it probably would be a problem. But this now, with the turf, has helped us to accommodate everyone. FIFA Forward allow us to hire more professionals, to introduce development programs for players. You know, for years, the Virgin Islands has been struggling with infrastructure. We were actually using a lot of government-owned baseball fields to play soccer, especially international soccer. So that is our aspiration, to make a youth World Cup, women's World Cup, once it's a World Cup. We are very proud, and we know that it's going to open a lot more doors for us in the future. Well, this project is just one of many, and in our forthcoming episodes, we'll continue to showcase some of the myriad projects that FIFA and the FIFA Foundation are developing, supporting and funding all around the world. That's it for today. See you again in 2 weeks' time. And then, amongst other things, we will talk about the serious topic of head injuries and concussions in football. So, bye-bye.